Alléluia. Nous sommes déjà, le mode Kozan est déjà activé. Dis à ton voisin, c'est déjà activé. Le mode Kozan est activé ce matin. Ah, et ce matin, j'aimerais proclamer avec quelqu'un que c'est lui qui nous donne la force de conquérir. C'est ce Dieu qui nous amène aussi dans les lieux élevés. Quand nous allons dans la conquête, nous ne sommes plus sur la terre. Nous sommes des aiglons. Donc nous montons pour posséder et pour voir ce qui va arriver. Ah, et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse célébrer le Seigneur comme un conquérant. Il te transporte sur les lieux élevés pour que tu puisses prophétiser, pour que tu puisses avoir une longueur d'avance sur l'année. Ce matin, nous voulons célébrer ce Dieu qui nous amène dans les hauteurs. Nous voulons célébrer ce Dieu qui nous fait transporter sur les lieux élevés ce matin. Alléluia! Nous voulons nous réjouir en son nom ce matin. Le Dieu de notre salut. Est-ce que tu peux bouger pour la gloire du Seigneur ce matin? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus le roi des rois, dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Les dieux de mon salut, en Jésus mon roi, en Jésus le roi des rois, dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, car il rend mes pieds semblables à celles d'une biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, 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 il est vivant. Louons-le, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, 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 il est vivant. Louons-le, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh,
Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut danser pour le roi des rois? Milolo, 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 Milolo. Jamais. J'ai vu sa bonté, jamais, jamais laissé. J'étais malade, jamais laissé. J'ai vu la bonté de Dieu, jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, oh, il est toujours le même. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Jamais, jamais, jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, jamais, jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Même dans la fosse, il m'a toujours secouru. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, jamais, jamais, jamais. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah, jamais, jamais, jamais. Jésus ne m'a jamais laissé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Je peux voir sa main. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Tu vas dire à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans Kozan 24. Amen. Tu n'es pas en train de dire bienvenue à ta Bible. Je n'ai pas dit de voir ta Bible. Tu le regardes, non? Comment tu dis bienvenue à Droke? Tu dis bienvenue à ta Bible. Dis à celui qui est à côté de toi. Bienvenue dans Kozan 24. Et prophétise sur ta vie, sa vie, dis-lui, tu vas conquérir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi cette année. Ce n'est pas cette tante qui a dit tu ne réussiras pas qui va s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplira sur ta vie au nom de Jésus. Telle est notre prière, telle est notre attente devant le Seigneur et il le fera. Nous avons 2 semaines. Nous sommes là chaque jour, de lundi à vendredi, la session matinale pour les amoureux de la prière. Nous allons faire des tempêtes matinales de 6h15 à 7h15. Ce sont des moments de prière fleuve
Vous n'avez pas besoin de modérateur. Vous venez, vous parlez à Dieu, vaille que vaille, pêle-mêle, devant votre Dieu. Si vous voulez vous coucher par terre, vous vous couchez par terre. Si vous voulez être assis, vous êtes assis, vous parlez à Dieu. Une heure de prière fleuve chaque matin, cette semaine. Et le soir, nous sommes là à partir de 15h30 jusqu'à 17h40 pour que 17h45 pour que nous puissions, n'est-ce pas, suivre les enseignements et faire des prières de conquête. Alors, ce sont les deux programmes pour la semaine ici, mais la semaine qui va suivre, ça sera plus intensifié. On va avoir jeûne et prière pendant les cinq jours, de dimanche jusqu'à jeudi. On sera en train de jeûner et de prier et de manger léger seulement le soir, et je serai en train de donner les directives. Le vendredi, on ne sera pas là, on sera là la nuit, c'est-à-dire le vendredi, ça sera le 2 de février. Nous serons là dans la nuit de conquête, cette nuit où nous allons avoir des prières de conquête. Et cette nuit va commencer par la Sainte Cène à 20h. Nous allons célébrer la Sainte Cène comme Jésus l'a fait, et nous allons commencer la prière de cette nuit-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de miracles et de merveilles qui sont au rendez-vous. Voilà le programme que nous avons pour nos 2 semaines de Kozan 24, conquête spirituelle de l'année 2024. Le thème de notre programme pendant ces 2 semaines, c'est la restauration de sources de vies abondantes. Dis avec moi, restauration des sources de vies abondantes. Il y a des sources de vie qui doivent être restaurées. Amen. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes qui guident notre message de ce matin, qui introduisent ce grand séminaire. Le premier verset, c'est 1 Rois chapitre 2, 12, 19 à 21. Le deuxième texte, c'est ce Proverbe 30, 11 à 12. Proverbe 30, 11 à 12. Et le troisième verset, c'est 2 Timothée 3, 1 à 5. Commençons par 2 Rois, chapitre 2e, le verset 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. » Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mets-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Il faut donner un amen qui me provoque, qui provoque l'onction. Amen. Amen. Proverbe 30, 11 à 12. Proverbe 30, 11 à 12, la Bible dit. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui ne sait point laver de sa souillure. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, incrants, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
et a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Je voudrais, avant de parler de la part du Seigneur pendant ces quelques minutes, je voudrais rappeler les vœux que nous avons faits. On avait 3 mois, novembre, octobre, novembre et décembre, pour nos engagements de notre terrain, de notre parcelle voisine que nous avons acquise. Et nous avons fait des engagements, chacun sait ce qu'il a promis à Dieu. Je voudrais que Dieu bénisse ceux-là qui se sont acquittés et qui ont fini leur engagement. Il y en a ceux qui l'ont fait d'un seul coup, il y en a ceux qui ont respecté la mensualité. Mais nous rappelons à ceux-là qui sont avec 1 mois, qui sont encore en train d'attendre, nous prions que vous puissiez le faire parce que nous devons avancer au pas suivant. Amen. Les hangars doivent être construits et nous devons déjà accéder à notre parcelle et commencer à l'exploiter. Donc, donnez votre part. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous étiez peut-être à déplacement quand on a fait ces souscriptions. Le besoin est encore très grand. On avait un gap de plus de 13 000 par rapport à ce que nous devions souscrire. Donc, même les souscriptions n'ont pas couvert ce qui était prévu. Et donc, si vous êtes là, vous pouvez faire encore. Et si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous engager à le faire et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Nous devons conquérir notre espace. Ça fait partie aussi de nos promesses de l'année. Alors, pourquoi je parle? Je n'ai même pas la force nécessaire pour prêcher ce matin parce que ce message est plus fort que moi. Et je manque le mot approprié pour le dire, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été envoyé, la Bible dit, il vous convaincra du péché, il vous enseignera toute la vérité, il vous rappellera tout ce que le Seigneur avait annoncé. Et donc, je fais confiance au Saint-Esprit qui est l'enseignant. S'il faut parler de la restauration de Sousse, c'est pas seulement un message, c'est une prophétie. Je vais dire ainsi. Un ainsi dit le Seigneur qu'il m'a donné alors que je préparais la fin de l'année et que j'ai demandé à Dieu de guider par rapport à cette année. Et l'Esprit me disait clairement, restaurer le fondement. Je vais même supplier à tous les autres prédicateurs qui se lèveront du haut de cette chaire que la mission de cette année, c'est la restauration de fondements. Quand vous allez prêcher, aller gauche, droite, mais rassurez-vous qu'il y a des fondements qui sont restaurés. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de dire, je vous ai donné un grand destin, une grande destinée, mais le problème, c'est que vous frappez à côté. Vous avez abandonné le fondement de vie. Et c'est cela la mission. Nous sommes de cette génération des hommes et des femmes qui aiment l'apparence et qui renient ce qui fait la force. La Bible dit, dans le temps de la fin, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils s'attacheront aux futilités plus qu'à Dieu. Ils seront fanfarons, calomniateurs, amis de mauvaises personnes, se séparant de ceux qui sont bien, s'attachant à ceux qui ne donnent pas la vie, reniant ce qui fait la force. Voilà pourquoi nous parlons des sources de vie. Nous aimons la vie, mais nous maudissons la source de la vie. C'est là que l'homme de Salomon est en train de parler dans sa sagesse. Il dit, il est une race, ou il y a une race, il existe une génération d'hommes et de femmes. Il se développe des hommes et des femmes qui maudissent leur père,
et ne bénissent pas leur mère. C'est-à-dire, à défaut de maudire leur mère aussi, ils ne bénissent pas. Ça veut dire quoi? C'est une génération qui maudit sa source. C'est une génération qui perturbe sa source. Et l'apôtre Paul rachérit quand il est en train de dire, c'est une génération des hommes et des femmes qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui renie ce qui fait la force. Il faut l'apparence, mais il renie ce qui fait la force. Il faut l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté, l'apparence de la victoire, l'apparence de la sagesse, mais dans le fond, il renie ce qui fait la force. Nous sommes dans cette génération-là, des hommes et des femmes, et plaise à Dieu que pendant ces deux semaines, le Seigneur nous sorte de cette génération, des apparents, de cette génération des inconscients qui aiment l'apparence et qui perdent ce qui fait la force. Je ne sais pas quel habit apparent tu as porté, que je portais et que le Seigneur serait en train de nous dire, vous portez cet habit, mais ce qui fait sa force, vous le reniez. Nous sommes cette génération. Dans les Grecs, disons dans Hébreu, parce que dans la langue hébreu, parce que c'est la langue avec laquelle on a écrit l'Ancien Testament, là où on écrit Père, dès le début à Genèse, quand on parle de Père, ça signifie source. Source. Et nous sommes à ce temps où notre génération, notre race, ne bénit pas le Père, c'est-à-dire ne bénit pas sa source et maudit sa source, littéralement. La vie a la source. On ne peut pas dire, Seigneur, nous sommes dans une vie, nous sommes dans une année de vie abondante, de vie débordante, et ne pas parler des sources ou ne pas bénir les sources. La vie a une source. Comment nous nous comportons par rapport à ces sources? Et je vais vous définir les sources à trois niveaux. Trois niveaux de sources ou trois dimensions de sources. Quand je parle de la restauration des sources, je parle de la réparation des sources, je parle de rétablir les sources dans leur premier état. Quelles sont ces sources-là? La première chose, c'est sorte de chemin de la vie. La Bible dit dans Jérémie, ce peuple a abandonné les anciens chemins. Il dit, recherchez les anciens chemins et vous aurez la vie. Nous ne pouvons pas prétendre aller vers la vie sans passer par le chemin de la vie. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit littéralement et clairement, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie est aussi le chemin. Vous ne pouvez pas accéder à la vie. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la vie si vous n'avez pas trouvé le chemin de la vie. Nous allons donc parler des sources comme le chemin de la vie. Et les chemins doivent être restaurés afin que nous puissions accéder aux sources de la vie. Alléluia. Les gens viennent, il faut envoyer 10 SMS. Et quand les gens ne sont pas là à la chorale, oh non, le mobilisateur n'a pas fait son travail. Non. Kuko shida apa. Apa kuya kwa woko voa apa. Ces gens ne savent pas qui servir. On doit mobiliser. Oh non, tu as fait un vœu à l'Éternel. Paye ta dîme. Tu as promis. Mon frère, paye. Mon frère, paye. Et tu n'as coupé pour là. On te met dans les conditions. Non! Papa Michel, nous allons faire des appels clairs cette année. A tout à fungama, tu m'en attaques au coca au coq. Vous voyez, des fois, on organise de façon que. C'est pourquoi on a des saluts hypocrites.
qui veut donner sa vie à Jésus. Nous tous, nos yeux sont ouverts, sont fermés. Nos têtes inclinées. Tu n'y es pas boulon, tu n'as pas au coca. Tout si moi. Mon frère, il s'agit d'avoir la vie. Ces hommes et ces femmes, quand ils s'enivrent, ils passent ici dans le boulevard, en train de faire pipi sur leurs habits. Ils n'ont jamais eu honte. Ils ont tabassé leur belle-mère dans les familles. On les a mis 10 fois dans les réunions de famille. Ils n'ont pas honte. Pourquoi Georges, quand ils doivent recevoir Jésus, on doit les couvrir. Et puis, à peine. Et puis avant même que les gens ouvrent la main, non. On va arriver à un temps où on va dire courez pour avoir la vie. Et les gens viendront. Les gens vont dire j'étais sorcier, j'ai abandonné pour Dieu. J'étais 4e bureau, j'ai laissé pour Dieu. Parce qu'il est question de la vie éternelle. La vie a des lois et des principes. Et si nous ne voulons pas revenir aux lois et aux principes de vie, nous allons faire une communauté arche, mais pas une église pour Dieu. Et moi, je ne suis pas prêt à former une grande communauté qui n'a pas Dieu. Je préfère démissionner que d'avoir un stade plein et où personne n'est en train d'aller au ciel. Non. Non. Restauration des sources, c'est la restauration des fondements, des fondamentaux. Premièrement, le chemin ancien, ceux qui ont réussi avant nous, ils ont suivi un certain chemin. La Bible dit, Abraham fut appelé juste parce qu'il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Il a été appelé à l'âge de 70 ans. Et il va avoir l'enfant à l'âge de 100 ans. 75 jusqu'à 125 à deux fois. Et toi, tu t'es converti en novembre, et puis à décembre, tu commences à faire des intimidations. Seigneur, si c'est moi, je ne vois pas ta main, je vais laisser. Laisse. Tu vas laisser. Tu intimides qui? Oh non, si c'est moi, on ne me visite pas, moi, je ne viendrai plus à la chorale. Acha. On allait à une charge négative, mon chorale. C'est pourquoi vous étouffez même la gloire de Dieu. Laissez ces gens responsables, laissons ces gens. Considérons ces gens comme des païens. Ils ont besoin du salut. Parce que nous cherchons qui? Nous sommes là pour qui? Troisième explication, c'est la restauration des causes. Les causes. Parce qu'à un moment donné, nous sommes en train de vivre sur base des conséquences. Mais il y a des causes. Bien aimé, ce qui arrive a des causes. Le Congo est là parce qu'il y a eu ce qui a été fait hier. Nos familles sont là où elles sont parce qu'hier, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, il ne faut pas que nous soyons de cette génération des hommes et des femmes qui sont derrière les conséquences, qui essayent de soigner les conséquences. Il est question de revenir à la source. Parfois, on peut être en train de taxer cet homme, cette femme, de méchant, de ceci, il a fait. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas Christ. Il n'a pas Jésus. Il y a absence de Dieu en lui. Et nous lui demandons des bonnes œuvres. Bon, oui. Nous renions ce qui fait la force. Et cette semaine, nous serons en train de chercher à restaurer les sources de vie, le principe et les lois qui produisent la vie. La Bible dit dans Psaume 104, il dit l'Éternel a révélé ses voies, ses principes, ses lois à Moïse et il a manifesté ses œuvres à Israël. À d'autres termes, celui qui veut vivre la gloire de Dieu, il peut voir ça de manière hasardeuse. Mais celui qui veut produire la gloire de Dieu, il doit rechercher le voie de Dieu, le chemin de Dieu, les conseils de Dieu, les directives de Dieu. Nous sommes donc des catégories de ceux-là qui jouissent de la vie et de ceux-là qui produisent la vie. Tu es de quelle catégorie?
Tu veux jouir de la vie ou tu veux produire la vie? Même à l'église, il y a de ceux-là qui produisent la vie et il y a de ceux-là qui jouissent. Il constate seulement qu'on a déjà un grand parking et il parque là-bas. Et il y a des gens qui savent que c'est mon offrande qui achète ce terrain-là. Et d'autres, ils seront brisques. Bata sangala toucha bomola imanyumba wanapita. Ah, kanisa inaendele ya kabisa. Mais entre temps, son offrande est en train d'aller à Kindu. Ce n'est pas pourquoi je parle de Kindu ce matin. Est-ce que je peux voir les amis de Kindu? Vraiment que Dieu vous visite. Alléluia. Il y a des gens qui jouissent du pays. Oh non, il faut que le pays, oh non, tel ne doit pas passer, tel doit passer. Et ils sont là seulement dans le pays. Mais bien aimé, chacun doit apporter sa part. Si l'église Arche brille dans la ville de Béni, il aura sa part dans la nation. Nous avons eu déjà quelques députés qui ont postulé, s'ils ont la sagesse, la sémence de Dieu, nous avons contribué à la nation. Si vous êtes une bonne personne parce que vous priez, nous avons contribué à la nation et la mairie devait même donner quelques dîmes. Vrai ou faux? Papa Johnson, est-ce que je mens? Il y a des pays où l'État amène des dîmes à l'église parce que l'église contribue. Imagine si tu n'écoutais pas la parole que tu écoutes, tu vois un grand bandit qui est à toi. Imagine toi où ce que maneno ya Mungu wegi sukopani. Suna jiju. Ya moi là bandi, ça Dieu. Vous savez ce que je peux faire? Yesu. Des dégâts terribles. Mais Jésus en a chaussé le banditisme, anasema Christophe jitalala shuka chichuka. Et puis je monte à la piga, je ta shusha parole maombi ale, puis on est là. Moi, j'ai raté la première prison à 4e primaire. Ma tête là, il y avait comme larme. Je ne me battais pas comme ça. Car c'est fini, il y a hospitalisation. Qui a fait? On vient voir un petit garçon. Moi, toi, je suis dans mon hôpital. Innocent là, qui l'autre? Un jour, me fait des gars, il vient. Parce qu'il y avait des esprits qu'on appelle des esprits des lions dans la famille. On est des guerriers. Nos ancêtres, ils pouvaient arriver dans un bar, on a piqué baba bayoto, on a piqué où on a engouki à quoi où on a oulé, allez kan kan kau, c'était comme ça. Et Jésus a nous qui a touché à lui. On a ce qui a mané nous na engouka, on a ce qui a mané nous na okoka, on a ce qui a mané nous na takasi. Pas que tu n'as quoi chine. Il y a quelqu'un qui peut t'injurier même, dit de toi, dit tu ne connais même pas Dieu, est-ce que tu as même l'onction? On a mon gars, il vous laisse. Il y a des fois où je m'étonne moi-même, je m'étonne de moi, mais tu es calme. Il dit oui, j'ai l'angouvre. C'est fini. Jésus nous a. Amen. Retiens ces trois choses. Le chemin, les lois de Dieu. Et les causes. C'est pourquoi la Bible dit les habitants de Jéricho, ils sont venus vers Élisée. Ils ont dit la ville elle est bonne, elle est parfaite, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux, même ceux qui produisent la vie, ils écrivent l'eau c'est la vie. On ne peut pas vivre sans eau. L'eau c'est la vie. Ils ont dit la ville a tout ce qu'il faut, mais il y a un problème d'eau. On n'a pas la vie. Je voudrais que ce matin, chacun revienne et dit, est-ce que ma ville a tout ce qu'il faut? J'ai la beauté, j'ai la force, j'ai l'intelligence, j'ai les relations, mais est-ce que j'ai la vie? J'ai le foyer, mais est-ce qu'il y a la vie dans ce foyer? J'ai l'apparence, mais est-ce que j'ai ce qui en fait la force? C'est important d'être sincère avec soi-même et de dire, est-ce que j'ai la vie? Est-ce que j'ai la vie? J'ai connu, j'ai participé à la délivrance d'une dame qui était tellement jolie, belle. Et quand elle passe comme ça, il y a même des motards distraits qui font des accidents parce qu'ils doivent regarder derrière. Et tout le monde pouvait l'envier. Les hommes étaient prêts même à quitter leur foyer pour elle. Et à un moment donné, elle arrive pour
pour demander la délivrance, elle dit, je suis ce que je suis, mais je suis malheureux. Chaque jour, je vois un serpent qui vient coucher avec moi. Et voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Et je connais quand il arrive, je dois m'arranger pour ne pas être dans un endroit public parce que ça se manifeste. Quelqu'un peut voir que je suis en train de faire des mouvements de sexualité alors qu'il ne voit pas celui qui est en train de le faire avec moi. Elle était esclave. Elle a dit, ma ville a un bon séjour, mais l'eau est mauvaise. Parfois les gens nous avisent, parfois les gens voient notre apparence, mais nous pouvons sentir nous-mêmes notre misère. Et il est bon d'aller vers la source de nos problèmes. Ces deux semaines ne ratent pas, soit dans la présence de Dieu pour rechercher les sources, là où la vraie vie va couler. Vous savez, la vie n'est pas dans le travail. Il y a un esprit de travail. Vous pouvez avoir le travail, mais il faut avoir l'esprit du travail. Quand vous avez l'esprit du travail, même si on vous chasse à gauche, cet esprit-là va vous positionner à droite. J'ai béni le Seigneur, il y a un couple qui a vu une révélation. On était avec eux avant-hier. Et dans cette révélation, ils étaient en train de me voir. Ils avaient une voiture. Ils venaient de garer pour venir me voir au bureau pour la prière. Et quand ils arrivent, je leur remets la clé de leur voiture. Et ils disent, mais pasteur, nous ne comprenons pas. Nous avons déjà une clé, mais tu nous as donné une autre clé. J'ai dit, c'est ce que nous allons enseigner cette semaine. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir l'esprit des choses que vous possédez. Vous pouvez posséder les choses matériellement, mais vous devez les posséder spirituellement. C'est pourquoi vous pouvez avoir une bague sur votre main et vous n'avez pas le cœur de celui qui vous a habillé cette bague-là. Parce que le cœur, c'est une autre chose que la bague. Vous devez posséder votre femme, votre mari spirituellement avant de l'avoir corporellement. Vous devez avoir votre richesse spirituellement avant de l'avoir matériellement. Il est question d'aller vers les sources de choses. Vous savez, vous pouvez avoir des choses matériellement, mais ça vous échappe. Vous ne contrôlez pas ce que vous avez, parce que vous ne les avez jamais à posséder spirituellement. Même les enfants, nous parlons de semaines de conquête. Si vous allez avoir des enfants, vous devez les conquérir spirituellement. Vous n'avez pas besoin que vous mettiez au monde des enfants et les sorciers les contrôlent. On vient donner à votre enfant la sorcellerie. Vous-même, vous n'êtes pas sorcier. On vient inculquer à vos enfants une culture que vous n'avez pas vous-même, parce que quelqu'un essaye de le contrôler spirituellement. On doit conquérir même nos enfants spirituellement. On doit conquérir même ce que nous possédons spirituellement. Alléluia. Le Seigneur me disait, vous êtes de cette génération des hommes et des femmes qui abandonnent ce qui fait la force. La fois passée, je nous ai appelés. J'ai dit, venez, nous prions pour la nation. Nous avons la quiétude. Le serment, prestation de serment est passé hier. Je crois que ceux qui sont des leaders personnels fêtés, je ne sais pas. Nous, on était en train de prier juste que ça se passe bien, parce que la paix, c'est notre affaire. Alléluia. Alléluia. Qui était là à la prière de conquête, de prière pour la nation? Vous voyez, c'est quelques mains. Et c'est une honte. Quand on prie pour les maladies, c'est plein jusque là-bas, les nuits. Vous savez, quand on parle des nuits de visitation. Waouh! Dieu va nous visiter. Où vient, les célibataires sont là en train de déchirer le célibat, en train d'écraser, de lier, de ligoter, d'achaîner, de jeter dans les lieux arides. Les chômeurs sont en train de robocher. On ligote le chômage. On a muskiria même uruma. On a sema oui kwenye iko, c'est compliqué. Mais quand on dit prions pour la nation, 4 heures d'étendre dit Seigneur, guéris le Congo. Seigneur, sauve le Congo. Le Congo, non. C'est parce que nous sommes ces peuples qui ne connaissent pas la causalité, la loi de la causalité. Vous avez des promesses qui ne peuvent pas se réaliser si le pays n'est pas guéri.
Papa Michel est dans l'exploitation de bois. Il ne peut pas faire le bois comme il faut si la route n'est pas en forme. Papa Georges est dans la communication. Est-ce que les unités se consomment quand il y a des troubles? Quand vous ne savez pas accéder à l'antenne pour mettre le carburant? Si donc nous aimons, même si nous voulons être bénis, nous devrions aller vers les causes. Qu'est-ce qui fait que nous avons des problèmes que nous avons? C'est parce que le pays va mal. Et donc on peut oublier nos chômages, on prie pour le pays, parce que si le pays marche, les emplois seront là. Mais comme nous sommes cette génération qui maudit son père, sa source, nous refusons de prier pour la nation. Si je demande qui a prié pour moi, comment vous pouvez venir dans un culte et ça prier pour le prédicateur qui va vous prêcher? Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas qu'on gagne. Tu devais, mais quand je termine le message, oh non, il a donné un exemple qui ne convient pas. Tu n'as pas honte. Toi, tu as prié combien d'états pour moi? C'est toi qui as fait que cet exemple glisse. C'est toi la raison. Tu ne pries pas pour ton père. Vous savez, tous ceux qui sont élevés, qui sont des leaders sur nous, portent une bénédiction pour nous. Il y a des bénédictions, il y a des promesses qui passeront par ces gens. Et quand on ne prie pas pour eux, nous sommes perdus. Nous ne comprenons pas la loi de la causalité. Et nous sommes de cette génération des hommes et des femmes qui aiment les choses, qui aiment les résultats et qui ne savent pas aller vers les causes. Il s'agira de cela. Nous allons parler des 12 sources qu'il faut restaurer. Et rendez-vous dans ce programme.